Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le haul de chez Top Deal de Saint-Priest. Donc, c'est un magasin de déstockage avec pas de produits frais, mais principalement des produits alimentaires, alimentation type épicerie, sucrée, salée, sèche, et des boissons et des produits d'hygiène. Donc, du coup, j'en ai eu. Alors, tout n'est pas là parce que j'ai rangé des trucs et j'ai la flemme, je vous avouerai. Mais je vais vous expliquer ce qui manque. Mais voilà, j'en ai eu pour 87,30€. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors, j'ai pas tous les prix en détail, sachant qu'ils ne font pas de ticket de caisse à proprement parler. En fait, on a juste ticket de reçu de carte bancaire. Donc, j'ai plus le détail de certains produits, mais je vais essayer de me souvenir. Donc, on a tout d'abord des dosettes de la marque Magnifique. Donc, c'est du café Longo. C'est 1€ les 10 dosettes. Je vous avoue que j'ai pas regardé la date de péremption. Mais qui n'est pas passé. C'est le 4 novembre 2023. Ensuite, de la marque... c'est quoi? C'est Rockstar Drink. Là, c'est, je l'ai pris à la demande de ma voisine. Du coup, c'est des boissons énergisantes. Je sais pas combien... Ils périment le 2 avril. Donc, on est le 11 mars. Donc, voilà. Et donc... voilà. Et donc, c'était les 2€ les 3. Voilà. Pour le petit Marseillais, c'était, je sais plus, je crois que c'était 5€ les 2 ou 3€ les 2, je sais plus. J'en ai pris 4, du coup. Pour les limonades Hamoud, du coup, c'était les 3 litres, donc les 3 bouteilles de 1 litre pour... c'était quoi? C'était 2€, ça doit être ça. 2€, 5€, je sais jamais, je sais plus. Je sais plus. Il y avait du fric de blé, du coup... Ça, il est possible que je l'ai payé 1,50€ ou 2€, je ne sais plus. La date n'est pas expirée. Également pris pour ma mère 1 kg de pois chiches sèches, secs. Et je crois que c'était dans les 2€, mais je ne suis pas sûre. Pareil, les noisettes, je pense que j'ai payé 3€. Donc il y a 250 grammes de noisettes. Je n'ai pas la date. Et normalement, j'ai pris des produits qui étaient quand même où la date était certes courte, mais où n'était pas expirée encore. J'ai pris 40 grammes de verveine, donc visiblement de la verveine d'Algérie. Donc ça, j'ai payé 1€. Et ça, d'une manière, c'est de... Alors, ça va jusqu'en décembre 2023. Et de toute manière, c'est du sec, hein, donc après, voilà. Alors, des cookies... Alors, les gâteaux, c'était entre 1€, soit ils étaient 1€. Et 2,50€ le paquet. Donc, j'ai pas tous les détails, mais voilà. Donc, il y avait les cookies. J'aime beaucoup les cookies, hein, ça se voit. Il y avait plusieurs variétés de cookies. Il y avait les Cadbury. Les Cadbury sont chers généralement. Je crois qu'ils étaient à 2,50 pièces. Donc, il y avait saveur Oreo, saveur nature. Et je crois que j'ai pris deux fois saveur nature. Hein. Voilà, les Choco BN, c'était les plus chers. C'est les Choco BN bio qui étaient à 2,50. Donc, la date est presque expirée, mais on a encore une dizaine de jours. Pareil, hein, je ne vous ai pas montré les dates. Là, c'est 27 avril. Le 27 avril, voilà. Le Milka, c'était 1€ et ça va jusqu'au 14 juin. Et ça me rappelle mon enfant, j'en avais quand ma mère venait me chercher à l'école, des petits et tout. Des granolas, des cookies, 26 juin. Pour ne... Voilà, on peut dire que je n'aime pas les cookies, voilà. voilà, après on avait des dates. Du coup, c'était le kilo de dates pour 4€. Alors, il paraît que c'est le même prix qu'il y a au marché, du coup, hein, mais bon, voilà. J'avais pris des Giorchini, je crois que c'était à 1,50€ cela, mais je ne suis pas sûre du tout. Voilà, les Kinder Surprise c'était 2,50€ les 3. Et du coup, la date va jusqu'en avril 2023. Donc, encore un bon mois. On avait du coup les tablettes de chocolat Milka, donc à 2,50€ pièce. J'en ai déjà acheté la dernière fois, ils sont ultra bons. Donc, ça va jusqu'en juin, 1er juin. 30 mars, celui-là. Celui-là, c'est cacahuète et caramel. Et puis sinon, il y a Nusini, donc choco gaufre. Celui-là, j'aimerais peut-être un peu moins, qui va jusqu'au 31 mai. Ensuite, ça, je pense que c'est les prix standards.
les briques qui vont jusqu'au 11 juin, les feuilles de briques à du coup 1 euro pièce, donc les 10 feuilles. Et j'avais aussi pris, alors ce que j'ai pas ici, j'avais aussi pris des gels douche palmolive. Je vous ferai à la rigueur un short si jamais je les retrouve, enfin je les retrouve, je les retrouve dans le bazar que j'ai rangé. J'avais aussi pris du coup du shampoing, alors j'avais pris des gels douche Sanex à 600 ml, donc c'était les 2 à 5 euros. J'avais aussi pris, donc je vous ai dit, j'ai pris 4 petits Marseillais comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait les shampoings, il y avait shampoing palmolive à la grenade 600 ml à 2 euros. Pareil pour le shampoing, j'en avais pris un autre aussi à l'huile d'argan dans le même format. Des gels douche palmolive, toute la partie hygiène, je l'ai rangé. Des gels douche palmolive, du coup, des formats quand même de taille moyenne. J'ai plus la quantité en tête. Je crois que c'est 250 ou 300 ml que j'avais payé 1 euro pièce. Donc j'avais pris concombre, je crois. Concombre, non, je crois, je suis pas sûre. Et agrumes. Voilà, j'avais aussi pris des badois agrumes. Je ne sais pas ce que. Je ne sais plus où je les ai posés. Alors, je vous avoue que c'est le bazar hein, dans ma cuisine, ça se voit en ce moment. Je suis en train de réaménager un petit peu l'appartement, donc c'est un peu le bazar, voilà. Il y avait les badois agrumes, du coup, est-ce que je ne les ai pas mises dans le frigo par hasard? Ah, tenez, donc c'était des badois agrumes comme celle-ci, donc c'était badois pamplemousse, donc qui vont jusqu'en... Celles-là, pour le coup, elles ont été expirées. Elles ont expiré hier. Voilà. Donc, j'en ai pris 3 pour 2 euros. Qu'est-ce qu'il y avait, qu'il y avait d'autre? J'avais pris de l'huile d'olive. C'était une bouteille d'huile d'olive. Je ne sais pas où je l'avais mise. J'avais pris une bouteille d'huile d'olive. Donc, du coup, il y avait... C'était 4 euros la bouteille d'un litre. Voilà, c'était de l'huile d'olive algérienne. Et j'avais pris également... Ah, j'en perds mon latin. J'avais pris un flacon de produit pour laver les mains. Donc, 1 litre que j'avais dû payer 1,50 euros, je crois, ou 1 euro. Ah, voilà, la bouteille d'huile, elle est... Alors, hop, ça, ça n'a rien à voir. La bouteille d'huile, c'est celle-ci. Ah non, c'est 50 centilitres, c'est moi qui dis des conneries. Donc, 4 euros. Elle va jusqu'en novembre. Et oui, ce que j'avais pris qui était bien volumineux, c'était la semoule. Donc 8 euros le sac de semoule. Il y avait 500 grammes offerts en plus. Donc j'ai pris, donc c'est la marque Le Renard. J'avais pris de la fine et de la moyenne et de la, enfin non, de la moyenne et de l'extra fine. Donc j'ai pris 2 paquets. Et puis le reste, c'est dans mon bazar. Donc la vidéo est un peu brouillonne, mais voilà ce que j'ai pu récupérer chez Top Deal. J'en ai eu pour un total de 87,30 € de mémoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ne sais pas si je les ai réactivés d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils sont actifs, ce que vous avez pensé de ce bon plan. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'est à Top Deal, à Saint-Priest, c'est rue du Lyonnais, comme ça. J'ai plus de numéro, mais voilà, vous pourrez trouver facilement sur Internet. Ils publient des vidéos en direct tous les vendredis soirs pour montrer les arrivages pour le week-end. Donc n'hésitez pas à regarder sur Facebook et je pense qu'ils ont peut-être d'autres réseaux sociaux, sait-on jamais. En tout cas, moi je suis satisfaite, ça fait plusieurs fois que j'y vais. C'est la première fois que j'achète autant, donc c'est pour ça que je vous fais un petit haul en vidéo. Mais sinon, c'est vrai que j'ai déjà acheté plusieurs fois chez eux. Et pour l'instant, je n'ai pas été déçue par la qualité des produits. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de produits de marque et parfois des produits dont la date n'est pas expirée, donc c'est quand même plutôt intéressant. Prochainement, je vais peut-être me rendre chez Planète Affaires, donc à Mions. Donc toujours dans le 69. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé. Et puis moi je vous ferai peut-être un petit haul. Si ça vous intéresse évidemment. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !